Stream, ok d'accord. Bonsoir Twitch, Keep Talking machin, c'est parti. Bonsoir les Luxus. 3.1, 5 minutes, 3 modules, 3 erreurs. Est-ce que t'es prêt? Ah t'as déjà lancé putain, en vrai t'es Je suis sur le chaud menu. vraiment. Ouais bah le jeu c'est le jeu. Bon, allez, le jeu D'accord, se ok, lance moi je suis vite. direct. Là je suis sur les fils en premier, tu me Ok. dis s'il y a des fils en Allez, premier avant qu'on commencez. avance. Ouais, le jeu, il n'y a rien à charger à part le modèle de la bombe, donc ça va normalement. Et en plus le stream il est bizarre, enfin je te dirai après, de toute façon. Alors, il y a des fils horizontaux. On va faire ça. Ok. Il y a des verticaux, ça non plus. Ouais, donc fils horizontaux. Il y a un blanc, deux bleus, trois rouges. Ah, combien de fils? Combien de fils? Un 1, blanc, 2, 2, 3, 3, 6, je suis con. 6, 6. Ok, 6. Est-ce qu'il y a un fil jaune? Il n'y a pas de fil jaune? Pas de fil jaune. Il n'y a pas de fil jaune. Non. Est-ce que le dernier chiffre du numéro de série est impair? Numéro de série. Le dernier chiffre, c'est 4, donc non, c'est pair. Ok. Sinon, s'il y a exactement un fil jaune. Non, il n'y a pas de fil jaune, tu m'as Non. dit. Sinon, il y a pas de fil rouge. Il y a 3 fils rouges. Ok. Coupez le quatrième fil. Ok. J'ai un truc avec les 4 nombres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hein? Et les 4 Je m'en chiffres. rappelle plus celui-là. Il y a un écran avec un chiffre et en dessous il Ah y a oui, 4 ah boutons. oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Ok. Donc là Sinon, mais j'ai le est-ce qu'il chiffre 2. y a... appuyez sur le bouton en deuxième position. C'est un 1. Ensuite, j'ai le chiffre 3. Appuyez sur le bouton en première position. C'est un 3. Faut que tu retiennes parce que moi 3, je 1, vais 3. ralentir. 1. Appuyez sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 2. C'était 3. 1, 3, 3. Et là, c'est le dernier. 2. Appuyez sur le bouton en première position. Il y en a encore un après. Okay. 4. Là, je te dis 4. Non, c'est 2. 2, 2, 2. 2. D'accord. Appuyez sur le bouton, il y a le même chiffre qu'à l'étape 2. C'était 3. Ok, c'est bon. Alors. Ok, j'ai la lumière qui clignote. Et là, j'ai une radio. Enfin, j'ai des fréquences en hertz. J'ai une LED qui. Il y a On l'a une. jamais fait ça. Non, on l'a jamais fait. Il y a une ampoule qui clignote. On dirait peut-être du morse. Oula. Labyrinthe. Section 2. Morse, 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 Enfin, morse. Ah oui, c'est une. ok. À propos du code de Morse, interprétez le signal. Putain, j'en sais pas, plus attendez, sérieux, non, on s'en fout. Interprétez le signal de la lumière clignotante en utilisant la table de décodage Alors, du attends, code Morse court, écoulé. court, long, court, court, Attends, vas-y, court, redis-moi. court, attends, long, long, court, attends, Attends. non mais j'essaie de Comment voir. interpréter? Comment interpréter? Un clignotement court représente un point. Ouais, Un clignotement long représente un un trait, tiret. ouais, donc attends, Un clignotement. long, Il y a une long, pause entre chaque court, lettre. Il y a une longue pause avant que le mot ne se répète. point, trait, Ok. point, point, point. Point, Point, trait, point, 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 point. trait, point, trait, Il y a un trait, truc. Non, mais il y a. point. Non, mais faut. Non, mais il y a plusieurs mots. Oui, il y a plusieurs Ah, lettres, putain. oui. Ouais. Faut que tu me donnes Point, la première point. lettre. Attends, mais ah, je sais pas si c'est la première lettre. Hein. Trait, trait, point, point. Non, attends, trait, trait, point, Très point. très point. Très très point. C'est G. Trait, trait, trait. Ah, putain, La. j'arrive pas! Non, c'est pas. Il n'y a aucun mot qui commence par G. Attends, est-ce qu'il y a un Non, mot c'est qui pas, commence je par sais un pas mot si G? c'est la première lettre, hein. Si ça se trouve c'est une lettre en plein milieu, Non, mais je sais pas attends, où est le début. je regarde les mots où il y a un G. Ouais, signe. Bah, c'est le seul mot où il y a un G en fait. Bon Si je me bah si on trompe est sûr pas. que c'est un G, Bah, vas-y. c'est 3,582 MHz. 502 ou 5002? 3 points, pardon, j'ai dit quoi? 3,582 MHz. 582. C'est pas ça. Mais attends, bon, je reprends. Donc attends, je vais attendre qu'il y ait une grande pause. Donc là, il y a une pause. Ah putain, il y en a d'autres, je dis de la merde, Point, je veux dire. trait, trait. Point, point. Ah, j'arrive pas. Ça clignote dans tous les sens. J'arrive pas à me Point, concentrer, c'est point, horrible. trait, point, trait, trait, point, trait, trait, point, trait, trait, point, trait, trait, point. Peut-être, ouais. C'est un P. Il faut Bah, pas ça doit être continuer la le première prochain. lettre. Si c'est Ouais, ça. mais il faut Mais je sais finir pas si c'est. le. Je sais pas si c'est point très très Attends. ou si c'est point très. Les mots P avec un G. P avec un G.
Ah, on a 30 secondes. Dis-moi un truc, vite. Mais... on s'en fout. Mais y a pas de mot P avec un G. Non, mais sans G, on oublie le G. Mais il y a trois mots, je te donne. Ah, merde. Le premier, c'est 5-5-5. 5-5-5. C'est pas ça. Bon, tant pis. 5-9-2. 5-9-2. Bon, là, ça a explosé. Non, je suis désolé, j'arrive pas à me... Non, mais attends, mais laisse à me concentrer sur les... À voir les traits et les points, c'est trop... Attends, faut que je fais une pause du texte sur ce truc-là, donc... Je vais te lire le bordel. Attends, deux secondes. Tu relances pas tout de suite, s'il te plaît. Ouais. Deux secondes. Non, mais je pense que c'est... Oui, il y a une longue pause, et ensuite, il y a des lettres. Mais donc, faut que j'arrive déjà... Faut arriver à voir... En gros, faut que j'arrive à lire ce que je vois. Justement, c'est trop dur. Je vais dire tout l'intitulé. Donc il y a je sais que vous êtes en train de vous dire sérieux du code Morse et puis quoi encore. Mais au moins c'est le vrai code Morse. Donc concentrez-vous et apprenez peut-être quelque chose. Ok. Donc Taras, excuse-moi. Interprétez le signal de la lumière clignotante en utilisant la table de décodage du code Morse pour épeler un mot du tableau à droite. Ok, si j'avais compris. Le signal se répétera avec une longue pause entre les répétitions. Okay. Mais je pense qu'il n'y a pas de truc qu'on n'a pas compris. Hein. Je pense vraiment que c'est juste moi qui n'arrive pas à lire le code Morse. Mais attends, tu m'as dit. Je pensais. C'est juste que j'ai une lettre qui clignote devant moi et j'arrive pas en même temps à voir ce que je vois et à dire ce que je vois. Ouais. Je trouve que ça doit être compliqué. C'est genre, faut que j'arrive à réfléchir en même temps à si ce que je viens de voir, c'est un truc long, un truc court, et à le dire. Mais t'as capté, donc long et court. En fait, ouais. Non, mais moi, dans mes trucs, c'est soit trait, soit point. Ouais. Donc c'est soit long, soit court. Ouais. En fait. Oui, et puis après, c'est du code Morse, quoi. Puis ça épelle un mot, et puis le mot, ça nous dit quelle fréquence il faut qu'on utilise. Mais... Ouais, mais c'est-à-dire que, imagine là, t'as fait les fils d'abord. Nanana, après tu vas sur le morse. Comment tu sais que si t'as la première lettre, t'as la deuxième lettre, faut parce qu'il y a une longue pause à un moment, voilà. Et là tu sais donc que c'est le début du mot. La longue pause, en fait. Mais en fait, c'est même la pause entre les lettres, par contre, elle est pas évidente, je trouve. C'est-à-dire que tu sais pas trop, moi j'arrive pas trop à voir quand est-ce qu'une lettre s'arrête et la lettre d'après commence. Normalement, il y a une pause entre chaque, mais j'arrive pas à le voir. Ouais, mais c'est soit long, soit court. Oui, mais ça, c'est juste les traits et les points. Mais à un moment, t'as une série de traits de points qui te dit une lettre, ouais. Et à un moment, il y a une pause, et ensuite, ça passe à la lettre d'après. Ouais, mais justement, quand c'est court, tu vois directement, et quand c'est long, tu vois directement, non? Ouais, mais en fait, il y a deux durées de pause. Il y a une longue pause pour le moment où le mot il se répète, ouais. Et il y a une courte pause entre deux lettres. Et j'arrive pas à voir la courte pause entre deux lettres. Ok, mais si elle est longue, la pause, normalement, ça serait perceptible. Oui, mais justement, c'est la courte pause que j'arrive pas à voir. Après, moi, c'est... J'ai que la théorie. Attends. Bon, vas-y, bah attends. Ah bah merde, j'ai cliqué. Vas-y. Bah attends, tu sais quoi, on va... Ah bah non, il n'y en a pas de mots ce coup-ci. Bon, on va faire les fils. Il y a 4 fils. 4 fils. Est-ce qu'il y a plus d'un fil rouge? Il n'y a pas de fil rouge. Ok. Est-ce qu'il y a exactement un fil bleu? Oui. Coupez le premier fil. Ok. J'ai un truc avec 1, 2, 3, 5 lettres et que je peux faire changer. On l'a jamais fait ? Ouais, on l'a jamais fait. Oh, mais encore un truc qu'on a jamais fait ? Oui, je pense que ça y est. Il y a pas de... Ah oui, putain, non. Il n'y a pas 3 chiffres à gauche et 3 lettres à droite. Non. Un labyrinthe. Ah oui, d'accord. À propos du mot de passe, bon, ça pouvait. Les boutons au-dessus et en dessous. Une position vous permet de changer, ok. Ouais. C'est une combinaison des lettres disponibles pour répondre à un mot de la liste en dessous, ok. Appuyez sur le bouton valider lorsque ok. D'accord. Et alors, c'est. Ok, bah tu veux que je te dise quelle lettre j'ai? Ouais. Ok, donc pour la première lettre, j'ai T, W, X, M. Attends, la première lettre c'était. Non, c'est pas T, c'est T ou W ou X ou M. Ou H, ou O. Attends, je comprends pas le jeu. Excuse-moi, je suis à l'aise. Faut que tu trouves un mot qui commence par une de ces lettres. Vas-y, bah dis-moi, bah T, j'en ai plusieurs. Oui, alors, attends, deux secondes, je reviens. Donc, ça peut être... Y a pas de lettre W. C'est un mot qui commence par un T, ou un W, ou un X. Y a pas de W. Y a pas de X, non.
ou un M. Ah si, il y a des M. Ou un H. Non, il n'y a pas de mot qui commence par H. Ou O. Non plus. Ok, donc c'est T ou M, ça déjà, la première lettre. Ouais. Ok, ensuite, la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est un O. Ou un R. Ou un P. Ou un H. Ou un A. Ou un F. Ah, bah, il y a beaucoup de A. De... Non, mais où la première lettre, c'est un T ou un M, non? Oui, donc justement, ouais, okay. T et M, il y a la majeure partie des mots qui s'appellent T, A ou M, A, en fait. Ok, T, A ou M, A. Est-ce que t'as des TR, TP? Enfin, ou M, A, MR, MP? Non, 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 j'ai beaucoup de MA, de TA, mais j'ai pas de MR. C'est des mots, genre, des mots logiques, tu vois. Ok, ok, ok. Donc, ok, bon, on va passer à la troisième lettre. Donc, troisième lettre, ça peut être un P, un S. Ouais, j'ai un mot là, mais c'est TAS. Attends, T-A-S. Attends, S-E. Deux SE. Je peux pas mettre de. Deux SE. Bah attends, sinon, attends, on va faire ça. Je vais aller à la dernière lettre directement. La dernière lettre, c'est un O. Ou un V. Attends, c'est un V ou un U ça? Non, c'est un U. Il y a U, pas ça, de mots qui finissent par un V. Un U, je pense. Un D. Un Q. Un N. Un G. Un O. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que t'as des mots qui commencent par... du coup, on a dit T ou M. Moi, je vais dire, regarde, je vais dire vite fait. J'ai donc en mots qui commencent par un M, j'ai masse, match, matin, mauve. Après, qui commence par un T, j'ai tarif, tasse, et c'est terre. J'ai pas de E à la fin, déjà. Je peux pas mettre de E à la fin. Pas de N. Un N en dernière lettre. Un H, t'as dit H, t'as l'heure. Un N en dernière lettre. Un N ou un H. Je crois que j'ai pas de H. Non, j'ai pas de H, mais j'ai un N. C'est quoi le mot en N? Matin. 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 Ouais, c'est ça. En fait, faut que tu dises la première, la dernière directement. Ok, en fait. Bah du coup, là, on a une minute pour faire le truc des couleurs. C'est le rouge qui clignote. Oh, le pire. Ok, super, le pire. Pas d'erreur, on a une des erreurs. On n'a pas d'erreur. Bleu. Là c'est bleu. Putain, les voyelles ou. Là, j'espère que c'est. Là c'est bleu. C'est une voyelle le numéro de série. Le numéro de série, quoi, c'est une voyelle. Ça commence par une voyelle. Contient. Contient, oui, il y a des. Ça contient des. Ça contient okay, des voyelles. Après, il y a c'est la. C'est il y a bleu, un. Rouge. Donc c'est bleu. Donc là c'est encore bleu, donc bleu, rouge, rouge. Ok, c'est bon. Il y avait que trois couleurs à retenir. Mais on a fini là? Ouais. Wow. Après, donc le choix des mots en fait, c'est mieux de. T'as très bien fait d'aller à la dernière lettre. Ouais. Hein, en fait, je me suis dit, ça allait simplifier parce que le mot les lettres du milieu, c'est trop chiant, ça peut être n'importe quoi. Ouais, ça peut être n'importe quoi. En plus, moi j'en ai. J'ai 10-15 mots, tu vois. Donc, c'est compliqué. J'essaie de les regarder tous en même temps, mais. J'ai 5, 6, 7, 7, 14, 28. Ok, j'ai 35 mots. Quoi. Un peu chaud. Ok. Bon, on continue. Et ça va, on s'en est bien sorti quand même, putain. Ouais. Ou tu veux qu'on échange? Ouais. Enfin. Non, non, vas-y. Ok. Je lance la suivante. Quelque chose a changé. 5 minutes, 3 modules, tu me dis, 3 erreurs. Tu me dis les... Comment c'est les fils en premier de. Ouais. De gauche à droite. Putain, j'ai fait vertical rose, en fait. Vertical. Ok, fils horizontaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Le dernier fil est noir? Non, il est bleu. Il y a exactement un fil rouge? Il y en a 2. Est-ce qu'il n'y a pas de fil noir? Il n'y a pas de fil noir, ouais. Coupez le deuxième fil. Deuxième fil, ok. J'ai un truc avec des fils... Vertigo? Non. Toujours des fils horizontaux, mais tu sais, il y en a... Enfin, non, tu sais pas. Il y en a
Il y a un fil noir, un fil rouge, un fil bleu, et ils sont marqués 1, 2, Attends, mais 3 c'est et des fils de ABC. haut en bas? Non, non, c'est des fils horizontaux aussi. Ils sont reliés, d'un côté c'est marqué 1, 2, 3 et de l'autre côté c'est marqué ABC. Bah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, attends. Attends, deux secondes, j'avais déjà vu ça, j'avais vu ça, j'avais vu ça. J'avais vu ça. Ok, c'est celui-là, on n'a jamais fait. Séquence de fil sur le module. Putain, j'ai pas envie de tout lire, mais on s'en fout. Apparition de fil rouge. Ah putain, non, faut que je lise. Sur ce module, il y a plusieurs panneaux contenant des fils, mais seulement l'un d'eux est visible à la fois. Passez au panneau suivant en appuyant sur la flèche du bas et au panneau précédent en appuyant sur la flèche du haut. Coupez tous les fils du panneau qui doivent être coupés Merde. avant de passer au suivant. D'accord? Coupez les fils comme décrit la table ci-dessous. Le nombre d'apparitions de fils est cumulatif sur tous les panneaux du module. Apparition de fil rouge. Je te dis, en fait, j'ai trois tableaux. Apparition de fil rouge, l'autre c'est apparition de fil bleu et l'autre c'est apparition de fil noir. Donc, est-ce qu'il y a des fils rouges, bleus ou noirs? Bah il y a un fil rouge, un fil bleu, un fil noir. Mais non. Alors là. Je sais pas. Je te dis le premier tableau. Apparition de fil rouge, apparition de fil. Premier fil, il est quoi? Comment ça le premier fil? Le fil numéro 1? Bah ouais, Le fil c'est ça. numéro 1, il est noir. En fait, c'est ça que j'aurais dû te demander. Couper si connecté à A, B, C ou C. Ouais, il est connecté assez, donc je le coupe le fil noir. Vas-y. Ok. Deuxième fil. Le deuxième fil, il est rouge. Couper B. Non, il est branché assez. Ils sont tous branchés assez d'ailleurs. Donc je le coupe pas. Non, couper si connecté à A, B, pardon. Ok, bah je le coupe pas. Le Vas-y. troisième fil, il est bleu. Couper si connecté à AB. Il est connecté assez aussi. Je passe au tableau suivant du coup. Aucune idée. Non. C'est pas bon. Alors là, j'ai pas du tout compris. En gros, j'ai trois fils. Bah, du coup, le noir, je l'ai coupé. Un fil rouge, un fil bleu. Et ils sont tous connectés à C. Donc le rouge et le bleu, je les ai pas coupés du coup. Puisque c'est à dire que c'était seulement En fait, réussi. moi j'ai. En fait, moi j'ai trois tableaux. J'ai un tableau apparition de fil rouge, l'autre tableau c'est apparition de fil bleu, l'autre tableau c'est apparition de fil noir. Ouais. Et après, j'ai plusieurs indications par rapport au fil. Donc, moi, Ouais. tu vu que tu m'as dit que le premier fil était rouge, Le par fil. exemple, Non, le fil 1, il est noir. par exemple, là il est noir. Donc là, je suis dans le tableau apparition de fil noir. Ouais. Ils disent couper s'il connectait à A, B ou C. Donc oui, là il est connecté à C, je l'ai coupé. Donc là, je reste dans ce tableau-là. Peut-être je devrais. Donc, deuxième fil noir. Non, le deuxième fil il est rouge. Le deuxième fil rouge, je change de tableau. Non, le deuxième fil il est rouge. Le fil numéro 2 Ouais, il est mais. rouge. Ah, mais justement, si le deuxième fil il est rouge, je dois changer de tableau. D'accord. Et 10 coupés s'y connecter à B. Bah il est connecté à C, donc je le coupe pas. Ouais. Purée, attends, je comprends pas. Et le Ok, fil mais. numéro 3 il est bleu. Mais après, je suis dans le tableau du milieu, coupé s'y connecter à B. Ouais, mais il est connecté à C, donc je le coupe pas. Ah, ça a explosé. Pas compris. Mais est-ce que à chaque fois, Pardon. en fait, peut-être que le numéro, peut-être qu'à chaque fois, genre le fil, c'est le premier fil à chaque fois. Ouais, mais justement, si le premier fil il m'indique lequel tableau choisir, par exemple, tu m'as dit que le premier fil était noir. Mais D'accord? est-ce que c'est pas l'inverse? C'est pas genre le premier fil noir, le premier fil rouge et le premier fil bleu. Et ça repart à zéro à chaque fil de chaque couleur. Ah. Attends, je vais Ah ouais? réessayer. Bah, je sais pas, peut-être. Hein. Mais ça va jusqu'à 9. Ça se trouve, il peut y avoir 9 fils. Bah vas-y, ok, Enfin, attends. d'accord, ok. Ok, tiens, là par exemple, j'ai deux fils noirs, un fil rouge. Donc le premier. Ouais, c'est le premier Le fil premier noir. noir. Premier fil noir. Connecté si coupé si connecté à A, B ou C. Bon, il est connecté à C, donc je le débranche. Ensuite, deuxième fil noir. Deuxième fil noir. A ou C. Coupé si connecté à A ou C. Il est connecté à B, donc je le coupe pas. Ouais, Et vas-y, du je vais coup, attendre, après, j'ai un vas-y. fil rouge. Mais donc, du coup, Coupé si connecté à. Quoi? c'est peut-être le premier fil rouge, non? Ah, tu pensais ça? Bah, je Mais sais non, pas. laisse tomber, ce serait trop galère. Bah,
Mais non, c'est pas ça que je pensais, moi. Je pensais que t'avais pas dit ça. J'ai pas compris que t'avais dit ça. Attends, j'ai un truc que je... Bah parce que là, enfin Donc sinon... c'est... Ah oui, d'accord. Premier fil rouge que tu captes, donc premier fil rouge, c'est couper si connecté à C. Bah là il est connecté à B, donc je le coupe pas et je passe au suivant. Ouais, ça marche. Ok. Donc, ensuite... ah bah oui, puis là en plus les numéros, du coup, c'est plus 1, 2, 3, c'est 4, 5, 6. Ok, vas-y, vas-y. C'est pas grave, ouais, c'est très bien en Ok, fait. j'ai un fil. Mais du coup, est-ce qu'on continue de compter? Genre... Bah, c'est le Là... quatrième fil, il est où? Quatrième fil, Le quatrième fil, il est noir. Quatrième fil est noir, est-ce qu'il est connecté à A ou C? Il est Coupez connecté à si C. connecté à A ou C. Je le coupe. Coupez-le. Ah, c'était pas bon. Mais c'est peut-être le troisième fil. Tu vois, c'est le troisième fil noir. C'est le quatrième fil, mais c'est le troisième fil noir. Ouais. Bah, je sais pas, on Attends, essaye. faut que je te partage l'écran pour que tu Bah vois ce que je non! veux dire, ou alors. Sinon, c'est de la triche. Là, j'ai un fil rouge. On va partir du principe, c'est le deuxième fil rouge. On va essayer. Deuxième fil rouge, est-ce Ouais. qu'il est connecté? Coupé si connecté à B. Il est connecté à C, donc je le coupe pas. Ensuite, j'ai premier fil bleu. Coupé si connecté à B aussi. Je le coupe pas. Ok, ça passe. Ensuite, on en est à troisième fil rouge. Est-ce qu'il est connecté à A? Non. Coupé si connecté à A. Non, je Bon. le coupe pas. Suivant. 1, 2, 3. Quatrième fil noir. Couper si connecté à A ou C. Il est connecté à B, je le coupe pas. Et cinquième fil noir. Couper si connecté à B. Il est connecté à A, je le coupe pas. C'est bon, c'est validé. Alors j'ai rien En compris. gros, il faut compter le nombre de fils de chaque couleur qu'on voit. J'ai des fils horizontaux. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, Ouais, alors 6. là, on va jamais réussir. Laisse tomber, Si, y a si, 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 un attends. truc. Il y a 6 fils. Regardez chaque fil, il y a une lumière au-dessus de l'espace pour le symbole et une étoile sous le fil. Le symbole Non, repose non, sur non, le non fil. c'est les fils horizontaux, hein, Ah, c'est ben ceux c'est qu'on fait normal, depuis le normal, début. pardon, excuse-moi, excuse-moi, Ouais, excuse-moi, complique pas, complique pas. Alors, ok, je retourne combien de fils? 6. C'est un fil jaune? Il y en a 2. Est-ce qu'il y a exactement un fil jaune? Tu m'as dit, est-ce qu'il y a pas de fil rouge? Il n'y a pas de fil rouge. Dernier. Ok, là j'ai le truc des couleurs à mémoriser, c'est le rouge qui clignote, on a une faute. On a une faute. Ouais. Rouge qui clignote, jaune. C'est pas ça, et on a deux fautes maintenant. Est-ce... Bah, je C'est comprends toujours le pas. rouge qui clignote, mais on a deux fautes. C'est écrit flash rouge, là c'était jaune, une erreur. Ah oui, impair, ah oui, il y a des voyelles au bas, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyelles, ok, d'accord. Donc il y a deux fautes, et t'as dit combien? Excuse-moi, rouge, t'as dit rouge? Ouais, c'est rouge, mais on a deux Bah fautes. refais jaune. Ok. Vert. Bleu. Jaune. Rouge. Trop tard, ça a explosé. Je pense qu'il y en En avait fait, 4. On j'ai l'aurait oublié de te presque eu. demander le truc des voyelles et des. Ah J'ai oui, oublié c'est les vrai que j'avais voyelles oublié qu'il y avait et ça aussi. puis ouais, peut-être te donner un moment. Si t'avais donné tous les tableaux directement, j'aurais dû te demander ça avant. Au moins, je pense qu'on a compris les fils avec les numéros. Attends. Par contre, il y a les fils. Attends. Laisse-moi te regarder vite fait les fils compliqués. Parce qu'il y a des fils, il va y avoir des fils de haut en bas. Et il faut que je regarde maintenant parce que sinon, je vais rien comprendre. Ces fils ne sont pas comme les autres, ils peuvent avoir deux couleurs. Ok. Cela rend complètement différent, je suis d'accord. La bonne nouvelle, c'est que vous avez à votre disposition des instructions très précises. Donc, Taras, regardez chaque fil. Il y a une. Oh, en fait, voilà. Donc, je te dis là, s'il y a des fils de haut en bas, tu vois. Donc, regardez chaque fil, il y aura. Enfin, je te dis, il y aura au futur. Donc, il y aura une lumière au-dessus de l'espace pour le symbole étoile. Okay, sous le fil. Pour chaque combinaison, fil, lumière, symbole, utilisez le diagramme de Venn pour savoir si tu récupères un fil ou non. Ok. C'est dans la. Je suis dans la. Ah, je te lis sur la révélation. Oh, Le diagramme de Venn, mon pote, c'est un ça a truc. l'air d'être une Ah, je dinguerie. comprends rien. Le diagramme de Venn. Laisse tomber, je crois. Chaque fil peut être rayé de multiples couleurs. Peut-être rayé de multiples couleurs. Oh!
Ah ouais, donc il y aura des fils de différents. Genre, c'est comme les morses. Genre, il y a point, 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 très, point, point. Ah! Bon, on sera dans la merde quand ça nous Ouais. arrivera. Ok. Bon, allez, je réessaye. Vas-y. Fil de bord, je me mets sur les fils. Ah bah tiens, il y en a, des fils verticaux. C'est maintenant. Bon, vas-y, Alors, on essaie de le le faire, peut-être premier qu'il va fil, perdre. ok, c'est un fil rouge. Il y a une lumière qui est allumée et il n'y a pas de symbole en dessous. Le fil contient du rouge. Oui. Fil contient du bleu. Il y a le symbole étoile. Il n'y a pas de symbole. Et la lumière est allumée. La lumière est allumée. Merde. Ah. Donc attends, donc la lumière est allumée et le fil contient du rouge. Donc Ouais. c'est très 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 et. Et alors je fais quoi avec ça? Il faut que je te donne quoi? Bah, faut que tu me dises si je le coupe ou pas, je pense. Ah ouais? Bah, ouais. Ok, donc c'est S, S, P, S. Couper. Bah vas-y. Il n'y a pas de. Alors moi j'ai deux. Enfin, je peut-être me trompe pas totalement, mais on verra. Couper le fil. Attends, couper le fil si le dernier chiffre du numéro de série est pair. Le dernier chiffre du numéro de série, c'est 3, donc non, c'est impair. Donc je coupe pas le fil. Couper le fil si la bombe a un port parallèle. Ouais, il y en a un. C'est P. Comment ça? Attends, 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 je t'ai dit de la merde. Le fil contient du rouge et la lumière est allumée. Ouais. D'accord. Le seul moment où ça se croise, j'ai. Oh, il y a un truc sur mon écran. C'est SSSP. Donc il y a quatre lettres qui se retrouvent dans l'endroit où, au moment où ça se croise, la lumière est allumée et le fil contient du rouge. Donc S, tu m'as dit que c'est mort. Et P. Donc S, tu m'as dit c'est mort. Et couper le P, c'est couper le fil si la bombe a un port parallèle. Ok, bon, il y a un port parallèle, donc je coupe le fil. Vas-y. Ah, c'est une faute. Bon, attends, attends, viens passer au fil d'après. Donc le fil d'après, il est blanc, la lumière est éteinte, il n'y a pas de symbole. Donc il n'y a pas de symbole. Ouais. Lumière est éteinte. Ouais. Contient du bleu, du rouge. Non, il est blanc. Ben, il n'y a pas d'indication par rapport à tout ce qu'on trouvait dans les annexes. Ah non, c'est pour identifier les piles et les ports. Je sais pas quoi dire, hein. Le fil est blanc, il n'y a pas de symbole, pas de lumière. Moi, je te dis, le fil contient du rouge, le fil contient du bleu. Il y a le symbole étoile. Non, il n'y a pas de symbole. Le symbole étoile, tu sais, c'est en bas, Oui, hein. il y a des fils Ouais. qui l'ont, mais Et la celui-là ne lumière l'a est pas. éteinte. La lumière est éteinte. Bah, coupe rien. Ok, bah je coupe pas. Bah, je sais pas. Ok, bah fil d'après. Il est rouge et bleu, la lumière est allumée et il y a une étoile. Là, Oh! là, il y a des infos, là, il y a des trucs. Ah, mais il y a les quatre infos en même temps, mais attends, là, je Bah peux ouais. pas. Attends. Donc, il y a les quatre. Ouais. Le seul moment où il se croise des 4, c'est où? C'est le seul moment où il se croise des 4. Les 4, ils se croisent. J'ai aucune idée. Ah non. Ah ouais, peut-être c'est ça. Ne pas couper de fil. Vas-y, c'est. Je coupe pas du coup. Ouais. Ok. Le suivant, la Ah, lumière j'ai est. compris, je crois. Ah. Ok, mais bah, il reste qu'une minute, mais c'est cool. Le fil suivant, donc il est rouge et bleu, lumière allumée, pas de symbole. Donc, nanana. Attends, il reste un truc de la pression. Donc, nanana, rouge et bleu, lumière allumée, pas de symbole. Et ça, avec ça. Pas P. Non, on a d'abord. Rouge et bleu, nanana. P. Couper le fil si la bombe a un port parallèle. Il y a un port parallèle, donc je coupe le fil. Ouais. Ah, c'est une faute. Quelle faute. Bon, bah, il nous reste 10 secondes, on peut essayer le dernier fil. Il est rouge et Ah bleu, non, mais lumière c'est trop éteinte, pas de dur. symbole. 2, 1, ouais, non, c'est bon. Rouge, bleu. Merde. Wouah! Ouais, non, mais il y a un truc.
tout à l'heure, tu m'as dit après... rouge et bleu, il y avait la lumière allumée, pas de symbole. C'est-à-dire que très. Peut-être que je suis con, hein, mais pour moi, un port parallèle, c'est genre, c'est comme les ports VGA, quoi. C'est les espèces de ports série, là. Ouais, mais il y a un annexe que j'ai pas checké pour identifier les ports. L'annexe C. Ouais, j'ai pourtant descendre sur l'annexe C, donc je me suis dit. L'annexe A, peut-être B, que... C. Identification des ports. Ouais. Des ports numériques et analogiques peuvent être trouvés sur le côté de la bombe. Il y a quoi comme type de port? Il y a DVI, donc. C'est à l'ancienne. Ah, ouais, d'accord, ouais, je vois. Il y a DVID, et après il y a parallèle, donc c'est à l'ancienne. Ouais, ouais. PS. RJ45 série et stéro RCR. Ouais, ouais. Les deux derniers, je pense que je saurais les. Ouais, DVI, je pense que je vois parce qu'il y a, il y a une petite croix normalement. RJ45, je vois à quoi ça ressemble, mais c'est ouais, faire la différence entre ouais, ce port série et port parallèle. Peut-être que c'était. C'est simple. Série parallèle, c'est la même chose, sauf qu'il y en a où il y a. C'est 4 sur 5 et l'autre c'est il y en a 20, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est moi j'ai pas compté les points en fait. Beaucoup. Je me suis dit ça ressemble, c'en est un, mais à mon avis c'est peut-être l'autre. Donc s'il y en a 5 au-dessus, c'est serré, s'il y a plus que 5, c'est parallèle. Ouais. Mais parallèle, c'est il y en a 12. Ouais, mais c'était peut-être un port serré du coup et pas un port parallèle. Ouais, mais comment t'as fait quoi, comment t'aurais pu voir s'il y en aurait eu 2 ou 1? Ah non, putain, ouais, d'accord, ok, non, j'ai derrière. J'ai peut-être confondu en fait. Bah attends, je réessaye, okay, on va voir. D'accord. Ok, non mais ça va, je comprends mieux. Enfin, je oui, pense. Ouais. Ok, alors... Que j'ai... Ah putain, je veux te dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les fils à couper, il y a les trucs avec les numéros, il y a les fils horizontaux. Vas-y. Attends, on va faire les fils horizontaux. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 fils. Le dernier fil est noir? Le dernier fil est rouge. Est-ce qu'il y a exactement un fil rouge? Il y en a exactement un, ouais. Et plus d'un fil jaune? Il y a un seul fil jaune. Il n'y a pas de fil noir? Il y a un fil noir. Coupez le dernier, premier fil. Premier fil. Ok. Alors ensuite, il y a les fils de couleur. Bon, attends, je vais compter. Donc, premier. Ouais, premier fil bleu. Tu sais, c'est le truc où il y a. Tu faire juste avant là? Non, c'est les fils. Enfin. Tu sais, c'est où il faut compter le nombre de fils. Là, il y a le premier fil bleu, premier fil rouge, premier fil noir. Ah! Ok, d'accord. C'était pas là. Putain. Bah oui, elle est de haut en bas, quoi. Ouais, mais. Attends, j'ai l'impression que j'ai oublié. Ah oui, non, c'est séquence des fils, putain. C'est un chiffre à gauche et lettre à droite. Ouais, c'est ça. Bizarre. Donc, vas-y. Premier fil bleu. Donc, premier fil bleu, B. Vous pouvez s'y connecter à B. Pardon. Ok, je coupe. Premier fil rouge. Coupé, c'est connecté à C. Non, je coupe pas. Premier fil noir. Coupé, qui s'est connecté à A, B ou C. Connecté à B, je coupe. Suivant. Deuxième fil rouge. Connecté à B. Coupé, c'est connecté à B. Je te dis okay, B, mais coupé, ouais, c'est connecté donc, à B. Ah, attends, deux secondes. Ensuite, deuxième fil noir. Coupé, A ou C. Il y a A, donc je coupe. Deuxième fil bleu. Coupé, A ou C. Il y a A, je coupe. Ok. Ensuite, troisième fil noir. Coupé B. Je coupe. Troisième fil bleu. Coupé B. Je coupe pas. Quatrième fil bleu. Coupé A. Je coupe. Ok, c'est gagné. Il nous reste juste le truc avec les quatre chiffres là, 1, 2, 3, 4. Et l'écran. Le premier numéro, c'est 4. Affiché. Ok, donc c'est celui-là, premier numéro qui est C4, le bouton en quatrième position. C'est le 2. Ensuite, j'ai un 4. Le bouton sur le bouton à la même position qu'à la tape A. Donc c'est encore un 2. Là, j'ai le 3. Le bouton en troisième position. Encore un 2. Ensuite, j'ai le 2. Le bouton en première position. Là, c'est un 1. Et là, c'est un 4. Le même chiffre qu'à l'étape 3. C'était un 2. Et bah voilà, gagné avec 2 minutes restantes. Facile ce jeu. Ouais.
Laisse-moi 2 minutes. Ouais. C'est genre vraiment, il y a une espèce d'amplitude de. Il y a des modules qu'on arrive mieux que d'autres là quand même. Ouais, mais c'est parce qu'on a pris l'habitude, mais. Et on serait retombé sur les fils verticaux, ça serait moins bien passé. Ouais, mais tu verrais le graphique qu'il y a. En fait, tu vois, genre, il y a un tableau et au-dessus du tableau, il y a une espèce de schéma. Attends. Bah, j'imagine un diagramme de Venn, mais ouais, s'il y a. Ah, genre, tu connais, tu sais, les diagrammes de Venn, enfin, tu sais, oui, t'en as sous les yeux, mais c'est les trucs avec les cercles qui se touchent là. Mais d'habitude, genre d'habitude, il y en a deux, mais là, oui, j'imagine que si t'as. En fonction des couleurs. S'il y a rien du tout, faut que je dise C, putain, d'accord. Donc en fait, je t'explique, moi, j'ai beaucoup de oui, j'imagine. Oui, tu dois avoir, je sais pas combien de combinaisons de. Exactement. Est-ce qu'il y a du rouge, est-ce qu'il y a du bleu, est-ce qu'il y a une étoile, est-ce qu'il y a une lumière. Exactement, tu vois. Et donc, bon, en fait, donc les ronds qui se croisent entre les autres, ils ont des traits différents. Mmh. Donc, c'est soit long, rouge, soit c'est un trait long, soit c'est gris, des points. Et en fait, il faut que je pense hein, que, je, justement, par rapport à ce que tu me dis, que je visualise tous les trois en même temps et le seul endroit où tous les deux, il y a un cercle qui va se croiser au seul endroit où tu vas me donner les indications. Par exemple, il y a fil rouge, fil bleu. Enfin, je sais pas, ou pas d'ailleurs, ça, parce que du coup, genre si la lumière est pas allumée, c'est que t'es pas dans le fil ou la lumière, c'est que t'es pas, c'est un symbole qui est pas dans le cercle. Si, parce que imagine, tu me dis juste rouge et bleu. Ouais. Imagine, enfin, je sais même pas si c'est possible. Tu sais, il y avait le cas tout à l'heure avec le fil qui est blanc, qui a pas de symbole, pas de lumière. Ouais, mais ça en fait, j'en captais qu'il y a une lettre à l'extérieur du. Ouais, c'est du, ça, c'est qu'il faut qu'il soit en. Ouais. En fait, c'était C, c'était couper le fil en fait. Tu vois, j'en captais. Mais par contre, non, c'est pas possible que ça rouge et bleu parce que sinon ça se croise. Il faut ça fait pas. Attends, je regarde vite fait. Parce que oui, il y avait un fil, c'était rouge, bleu, lumière allumée, symbole, et là c'est tout qui se croise en même temps. C'est, en fait, c'est beaucoup plus simple si tu me dis il y a tout qui se croise en même temps que si tu me dis. En fait, non, pas du tout. Ouais, d'accord. Super. Voilà. Bon bah allez, bombe numéro 3. Hein, t'as déjà commencé là? Non, j'ai pas lancé. Ok. Laisse-moi t'aider. Avec la petite musique d'ascenseur là. Thank you.
T'as rien à voir, mais t'es parti voir. Ok. T'es au cinéma. Je suis endormi devant le film. Ok. Super. Eh ben, allez. J'étais dégoûté. 4D en plus. T'étais en train de te faire secouer par le siège et toi tu dormais. Tu t'es fait bercer par le film, quoi. Oh, c'est à peu près ça, tu vois. Moi j'ai pu m'endormir dans un film 4D, donc tu sais qu'il y avait un problème. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, en plus. Vas-y. Allez, bombe numéro 3, 4 modules, 3 erreurs, 5 minutes. C'est parti! Bah, si t'as des fils, bien sûr. Ouais, justement. Faut que tu me dises non parce que faut que je descende direct. Et ben il y a des fils verticaux. Ok, donc je descends. Enfin, fais ça pour. Alors, plus compliqué. Le fil il est blanc et rouge, lumière allumée, pas de symbole. Donc rouge, pas de symbole, lumière allumée. C'est juste ça et ça. C'est ça et ça. Et il n'y a pas de symbole là. Il n'y a pas de symbole. Ah merde. Ok. De rouge, il n'y a pas de bleu. Il y a rouge et lumière allumée. C'est ça que ouais, tu c'est ça. Le fil, il est rouge et blanc. Lumière allumée, pas de symbole. Rouge, lumière allumée. Il nous faut une troisième variable, c'est pas possible normalement. Bah. C'est le premier fil. Bon, vas-y, de toute façon, quitte à perdre sur celui-là, on saura. Ah non, il y a un truc qui va. Ouh, j'ai des lumières allumées. Ils se croisent là et ils se croisent là. Il n'y a pas un autre truc pour les différencier? En fait, j'ai 3-4 fils différents. J'ai un qui contient du rouge, l'autre qui contient du bleu, l'autre avec le symbole étoile et l'autre avec la lumière allumée. Ouais. Et en fait, soit ils se croisent à 4 endroits, soit ils se croisent à 3 endroits. Il y a forcément un truc qui diffère entre les. Ouais. Justement, je pensais que c'était ça, mais. Ou alors c'est hein, peut-être. Justement, c'est le truc qui est en dehors, qui ne compte pas couper le fil. Je coupe le fil ? Non, c'était faux. Ok, le deuxième fil, il est rouge. Il y a une étoile, la lumière est éteinte. Ouais, c'est pareil, ok. Donc c'est rouge et. Il semble. Mais non, il me faut une troisième variable. En fait, il me manque un troisième truc. Je te jure alors, que j'ai que ça. Pas du tout compris. Non, mais je suis d'accord. Bah, je sais pas, je peux te donner le numéro de série de la bombe si tu veux. Je peux compter les ports. Là, il y en a deux. Et une grosse pile. Il y a une LED avec marqué SIG. Le numéro de série de la bombe, c'est W85KJ8. Attends, on s'est refait l'année pour identifier les piles dans le processeur. Ah, j'ai un gros port et un petit port. Ah non, c'est si je suis honnête. Non, je suis désolé, il y a un peu que je capte. Attends, vas-y, on essaye, hein, il faut qu'on trouve. C'est donc, quoi, t'as dit déjà rouge. Le fil est rouge. Il y a une étoile et la lumière est éteinte. Donc c'est rouge et étoile. Non, mais. Rouge et étoile. Non, mais c'est C, vas-y, on va dire C. Je coupe. Et puis le fil. Ok, là ça marche. Non, mais c'est pas ça. Oui. Ok, ensuite j'ai un fil bleu, lumière éteinte, il y a une étoile. Franchement, je comprends pas. Vas-y, le port parallèle. C'est quoi le port? Ouais, le port parallèle, c'est les. C'est les grands, hein? Ou c'est les petits? C'est les grands. Il y en a un, ouais. Coupe. Ah, c'était pas bon. Ensuite, j'ai un fil. Je te partage l'écran parce que. Bah non, bah non, c'est de la triche. Non, mais arrête, je comprends pas du tout là. Il y a un truc que je comprends pas du tout. Vas-y. Bah, attends, c'est un fil blanc et rouge. La lumière est éteinte et il y a une étoile. D'ailleurs, l'étoile elle est un peu bizarre, genre on dirait qu'elle est vide et pas pleine. Je sais pas si ça change quelque chose. Bah, si. Et bon. Le fil rouge ou bleu, t'as dit? Il est blanc et rouge, ouais, le fil. Il y a 10 secondes.
Je le coupe ou pas? Ah, si je le coupe, c'était bon. Voilà, ça a explosé après, mais si je le coupe, c'était bon. Il fallait que je le coupe, celui-là. Pour chaque combinaison de fil, lumière, symbole, utilisez le diagramme de Venn pour savoir s'il faut couper le fil ou non. Ok. Normalement, il devrait y avoir... Non, ça ne sert à rien. Il devrait y avoir qu'un seul, il devrait y avoir qu'une seule solution possible à chaque fois. Oui, mais franchement, je pense qu'on est compris à chaque fois. Enfin, peut-être j'ai pas de logique, mais alors je comprends pas du tout comment fonctionne un diagramme de Venn. Quand je regarde, bah, c'est juste, il faut que tu sois, bah, il faut, ça doit être genre à l'intersection des trois cercles. Enfin, à chaque, à la fois un truc qui est. Donc il y a quatre cercles. Bah justement, bah faut que ce soit dans les trois cercles et pas dans le quatrième, j'imagine. Ouais, mais c'est justement, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a obligatoirement soit 4, enfin, soit ils croisent tous les points à un moment, tu vois, soit il y en a 3. Il y a un truc que je comprends pas. Bah, il doit y avoir, oui, il doit forcément y avoir un autre truc pour différencier, ouais, c'est bizarre. Il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois, fil de lumière. Tu m'as dit par exemple, s'il y en a 2, on va dire que le fil rouge est allumé et que la lumière est allumée. Donc j'ai 13 points. Et après, ça. Au moment où ils se croisent, ils se croisent à deux endroits différents. Mais ils se croisent à deux endroits différents, il y a quatre têtes autour, tu vois. Donc je pense que ça sert à rien. En fait, en gros, tu vois, t'as, donc imagine que j'ai quatre cercles ovales, mm-hmm. donc avec quatre variables différentes. Mm-hmm. Soit le fil est rouge, soit le fil est bleu, soit il y a le symbole étoile, soit la lumière est allumée. Donc pour chacune des variables que je viens de te dire, mm-hmm. soit le cercle est en continu, soit il est des petits points, soit c'est trait, point, trait, soit c'est point, bloc, trait, tu vois. Donc j'ai quatre cercles différents, tu vois, par rapport aux quatre variables que je viens de te dire. Donc ils se croisent tous dans un schéma. Le pattern point, trait, machin, ça n'a pas de signification particulière, c'est juste pour différencier les cercles, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, ok. Non, et après, tous les cercles qui se entrecroisent. Il mm-hmm. Y a plein de possibilités différentes. Et dans le schéma, il y a des lettres... entre toutes les intersections, tu vois. Dès qu'il y a un espace, ils mettent, disons, il y a des lettres. Ouais. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lettres. Mais c'est toujours, il y en a 5 des lettres, mais qui sont dispatchées un peu partout. Ouais. Et franchement... Bah après... Mais après, attends, je sais pas ce que c'est un diagramme de Venn, peut-être. Bah, je sais pas comment c'est disposé, mais pour moi, t'as forcément qu'une seule solution à chaque fois. T'as forcément ouais, qu'un en fait, seul. Enfin, si les cercles sont disposés correctement, tu devrais avoir qu'une seule zone où t'as les trois cercles qui s'intersectionnent et qui est pas dans le quatrième cercle. Ok, c'est parce que je sais pas ce que c'est un diagramme de Venn, je suis sûr. Bon, t'as déjà vu quand même des diagrammes de Venn. Ouais, mais en fait, y a, parce que quand je regarde sur internet, il y a exactement le même diagramme avec des chiffres à l'intérieur. Genre, il y a un calcul que je comprends pas. Je suis désolé, hein, putain, d'ailleurs. Bon, on peut se partager l'écran sur un diagramme de Venn. Ah, me montre pas le vrai diagramme, alors, à la limite. Montre-moi le diagramme que t'as trouvé sur Internet. Toi, tu vas... Je suis désolé. Je suis pas... Putain, mon culte. Partage l'écran... Alors attends. Donc c'est ça, c'est le diagramme de Venn, d'accord? Tu vois bien quand tu vois. Ouais, ouais. Oui, donc oui, c'est des cercles qui d'accord. se croisent. Ok. Et là, quand je vois ça, mm-hmm. par exemple, comment je sais que c'est 40? Et bah, c'est 40 quand c'est le 1, le 2, le 3 et pas le 4. C'est à l'intérieur du cercle. Là, le 40, le 40, il est à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Attends, je jamais de partage. De toute façon, si je change de page, tu vois pas. Bah, je sais pas, ouais, non. Enfin, là, moi, si, page, ouais, si tu partages pas. Que la fenêtre, ouais. Ok, attends. En imaginant. Que ah, bah là, si je le vois, ouais. Ah merde. Oui, mais du coup, effectivement, c'est la même chose. Mais si, là, non, mais d'après ce que je vois, là, je lis pas, mais d'après ce que je vois, oui, il y a bien une seule solution par truc.
Normalement, à chaque fois, t'as une seule combinaison possible. Ah, mais quand j'arrête de streamer là, putain. Sinon, moi, je peux arrêter de regarder. Hein. Hop. Voilà. Non, mais d'habitude, je clique sur ça, mais ça me fait partager l'écran. Ok, d'accord. Parce que j'ai sélectionné un seul écran. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'imaginons, tu me dis rouge et allumé. Donc, rouge, c'est ces trois-là. Et allumé. Excuse-moi, deux secondes, attends. Laisse-moi deux minutes. Surtout le truc important, c'est que quand c'est rouge et allumé, il faut que ce soit en dehors du cercle avec l'étoile et en dehors et aussi en dehors du cercle bleu. Ouais, mais par exemple, imaginons que c'est rouge et allumé. Ouais. Donc oh, en fait, non, je pense que j'ai. En fait, c'est moi qui étais. Normalement, je sais plus combien de combinaisons t'as de possible parce que t'as 4. C'est ça, ça fait 2 x 2 x 2 x 2. Donc, ouais, c'est ça. Tu dois avoir, tu dois en avoir 16 normalement au total. Rouge et allumé. En fait, le seul moment où c'est rouge. C'est deux, normalement, c'est 2 puissance 4 possibilités. Non, en fait, ouais, je pense, ouais, non, en fait, c'est moi, je pense que j'étais à l'aise. Ok, j'espère que tu as compris, sinon, je suis dans la merde. Pour moi normalement, si tu comptes le nombre de solutions totales que tu as, tu dois en avoir 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, ouais c'est ça. La 16e, c'est en dehors du cercle. Parce qu'en gros, t'as 4 variables qui ont chaque fois 2 possibilités, donc c'est 2 puissance 4, 16. Ouais, mais en fait, ouais, je viens de comprendre. En fait, c'est que j'avais pas capté que c'était à l'intérieur des cercles systématiquement. Je partais en couche, je sais pas pourquoi je passe en couche. Enfin, restons... Et vas-y, on va essayer. Allez, on va essayer. Hop, c'est pas ça. C'est parti. Et là, on va pas retomber dessus. Sur le fond premier. Ouais, bah, y a pas. Oh, y a le morse. Oh là là. Non, y a pas le morse, ça va encore. Bah, ok, alors attends. Ah, ouais, bah, tu veux qu'on fasse le morse? Attends, je me concentre, ok? Tu fais le morse? Bah, mais ouais, oui, je fais le morse. J'essaie de me concentrer sur ce que je vois. Alors attends. Point. Ah, oh, j'arrive pas à lire. Ah, c'est horrible, j'arrive pas à lire ce que je vois. À ta place. Après, certaines personnes ont plus de facilité sur d'autres choses, peut-être. Point, trait. Point. Ouais, mais je te jure, c'est assez du Tesla que ça défile. Hein. Ah ouais. C'est vrai que la pause entre la lettre, elle est hyper compliquée. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Faut que t'essayes de voir, dès que t'as une pause un peu longue, tu me dis ce qu'il y a. Attends, là, il y a la pause longue. Point, trait. Trait, point. Point, point. Point, trait, c'est A. Point, point, trait. Point, 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 trait. Point, trait, trait. Non, mais là, c'est la dernière lettre, attends, les deux dernières lettres c'est très très, et ensuite la dernière lettre c'est point. Attends, il y a pas de très très. Ah si si, M. Okay. La dernière lettre, t'as dit l'avant-dernière lettre, c'est ça? L'avant-dernière lettre c'est deux traits, et la dernière lettre c'est point. Attends, l'avant-dernière lettre, il manque, il y en a un, c'est M là. Attends, soit un mot là, j'ai soit plume, soit champ. Et il y a une lettre ou c'est juste point? La dernière lettre, c'est ça. La dernière lettre, c'est quoi, excuse-moi? La dernière lettre, c'est point. C'est E. Donc, la plume, hein. Plume. Il y a que M. 592. 3.592. ME. Ok, c'était ça. Ouais, il est facile ce jeu. Putain. Les mots de passe. Alors, les mots de passe, attends, rappelle-moi, c'est quoi? C'est les mots de 5 lettres. La première lettre, j'ai P. V, D, A, Z. Ok. Attends, tu dois le jeu de mots, on est d'accord, t'as 6 mots, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, j'ai un seul mot qu'il faut que je trouve, un mot qui commence par P, ou par X, ou par U, ou par D, ou par A, ou par Z.
Ok, d'accord, ok. Donc tu mets team, là c'est mot de passe à chaque fois. Ouais, ouais, c'est. Ouais. D'accord. Donc t'as dit que ça commence par quoi, excuse-moi. Alors j'ai dit P, X, U, donc, P, X, U, D, A ou Z. Ok, j'ai P, D, A. Donc P, D, A, c'est donc on dit le deuxième. Ok, alors, on va faire la dernière lettre plutôt. Ouais, vas-y. La dernière lettre, ça peut être un J, un P, un E, un I, un T, un N. C'est tout. P, D, A. Donc attends, redis-les-moi s'il te plaît. La première ou la dernière lettre? La dernière, la dernière. La dernière, j'ai P, E, I, T, N, J. Est-ce que tu peux me dire... Vas-y, bon, c'est poule. Poule? Ouais. Attends, P... J'ai pas de E en deuxième lettre. Je te donne les lettres que j'ai en deuxième lettre, j'ai Q. Non, poule, c'est O, la deuxième lettre. Oui, bah j'ai pas de O. Ah, bah je t'ai dit E, je pense. Ah, justement. En deuxième lettre, j'ai Q, j'ai Z, j'ai F, j'ai V, j'ai R, W, et c'est tout. À mon avis, ça commence par une, à mon avis, ça commence par une voyelle. Hein. Mais c'est P-A-E. J'ai N-B. Essaye un mot qui commence par A, peut-être. A, j'ai Abba, Abîme, Aboua, Adieu. J'ai pas B en deuxième lettre. Et donc il y a un D. Est-ce que j'ai un D? Non, j'ai pas de D. J'ai F, V, R, W, Q. Y a pas de pièce qui commence par A. Bah, essaye U sinon. Non, t'as le A et je t'ai dit, y a soit B, soit D. Ok, bah y'a pas. Essaye des mots qui commencent par U. Y a pas de mots qui commencent par U. Ok, super. Bah, je sais pas. Hein. PR, un mot qui commence par PR. Non, y a pas de mot qui commence par PR aussi. J'ai P-O. J'ai pas de O en deuxième lettre. Ok. Et c'est quoi? Il y avait un autre, c'était E, je crois. J'ai pas E. J'ai vraiment. J'ai que. En. Ah, la première lettre, c'est je ne peux pas dire, ça a explosé. Ah merde. Ouais, c'est compliqué quand même. Ouais. J'ai l'impression que c'est. Et là, en fait, c'est quoi? En deuxième lettre, il n'y avait que des consonnes. Donc je me dis, ça devait être forcément une voyelle en première lettre. Mais s'il n'y avait pas de mot en A ni de mot en U. En fait, on avait dit P-A et on avait dit un autre. C'était E ou D. Non mais j'avais pas de A en deuxième lettre. Si j'avais. T'avais un R, t'avais un S ou N. Non. Non, c'était vraiment que des consonnes à la con, genre Q, X, W. En fait. La prochaine fois. Ok, bah attends, je relance. On commence par le mot de passe du coup. Bah je suis le chemin de fer. Ok. Okay. Alors la première lettre, j'ai un X. Il n'y a pas de mot qui commence par X. B, S. Attends, B. Il n'y a pas de mot qui commence par B. S. Attends, c'est compliqué. Tu vois, il y a des mots. Il y a un mot qui commence par S et la deuxième lettre c'est A. J'ai pas de A en deuxième lettre. Ensuite, okay. J'ai un N en première lettre. Move pour. Non, il n'y a pas de mots qui commencent par N. M. Ouais, il y a trois mots qui commencent, c'est quatre mots qui commencent par M. Et la deuxième lettre, c'est A. Tous? Ouais, mais j'ai... Non, j'ai pas de A en deuxième lettre. Ensuite, en première lettre, j'ai E. J'ai donc quatre mots qui commencent par E. La deuxième lettre, c'est N ou R. J'ai que N en deuxième lettre. Et il y en a trois. Ensuite. Après, celui c'est un V. Obligatoirement envie. Ok. E-N-V-I. Envie? Envie, ouais, avec un V à la fin. Ok. Ensuite, bah, on va faire le morse. Alors attends. Ah putain, dis-moi si c'est. Donc c'est passé. Attends, je me concentre. On a trouvé le bon truc là pour le... Ah putain, mais il a l'air super long. Je vois même pas la pause. Chaque mot c'est 5 lettres. Maximum. Point, point, ah là, j'aurais dû dire ça avant. Point, point. Ah point, très, point. Point. Donc la dernière lettre c'est point. Je,
crois. Donc la dernière liste, c'est eux. Okay. Ils finissent tous par eux presque. Cool, super. Point, très, point. Point. L'avant-dernière lettre, c'est point, très, point. Point, très, point, point, très, point, point, très, point, point, très, point. Allez, trouve-le. C'est R. R, donc il y en a. Il y en a qu'un seul. Et c'est okay. Vitre. Ok, et c'est quoi le code? Non, 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 il y en a deux. Y en a ah, deux, ok, y en a bon. Deux. Faut que tu me dises la première parce que c'est soit litre, soit vitre. En fait. D'accord, attends, je me concentre. C'est point très point point la première lettre. Ouais c'est ça, litre. Litre. Et donc L. C'est quelle fréquence? Oh putain, je suis con. 552. Ok c'est bon. Ensuite il y a un truc avec des symboles, tu sais, un clavier avec 4 symboles. Tu parles de quoi? Tu parles des hiéroglyphes là? Ouais, ouais. J'ai une étoile, okay. Un point d'interrogation à l'envers, le logo d'infogramme, enfin le milieu du logo d'infogramme. Attends, une étoile pleine ou. Vide. Une étoile vide, ok. Après. Un point d'interrogation à l'envers. Ok. Le tortillot au milieu. Un E okay. À l'envers avec deux points au-dessus, c'est ouais. Ça? Ouais, ouais. Ok. Ensuite, un espèce de cul, enfin soit une tête, soit un cul de très. Ah, une espèce de spirale là? Un rond avec un train en bas. Un rond avec un train en bas. Moi, si t'as pas, c'est. Ok. C'est... Bah, ça pourrait être un truc que j'ai en fait. C'est genre le. Tu vois le milieu du logo d'infogramme? Non. C'est assez simple, c'est soit une tête de bonhomme, soit un rond avec un train en bas. Non, mais tu dois avoir. Normalement, c'est celui-là dans les symboles que t'as. Il y a un truc qui ressemble à une espèce de spirale avec deux cercles. Enfin, non. Non, c'est pas ça, c'est pas, okay. Ça, c'est pas ça. Ok. Ok. Un C à l'envers avec un point au milieu. Ça, j'ai pas. Un Q, justement, l'espèce de Q attaché. Attaché. Genre un C et un Q. Ouais, c'est ça. Ok. L'étoile. Ok. Et le point d'interrogation ouais. À l'envers. Ouais. Ok. Là, j'ai un Simon. On a zéro erreur. C'est le truc avec les quatre couleurs. Ok. Voyelle ou pas dans le numéro de série Dans le numéro de série, j'ai un E, oui, donc il y a une voyelle. Ok. La première couleur c'est le bleu. Bleu c'est rouge. Rouge. Vert. C'est jaune. Jaune. C'est vert. Encore jaune, donc c'est. Ok, c'est bon. À 11 secondes de la fin. Putain. Mais ça va, franchement, on calcule. Donc, déjà, je pense que le morse est bien. Et ah non, mais le morse, c'est horrible, il faut être trop concentré. Ouais, je me doute. On a dû passer bien 2 minutes juste à lire le code, quoi. Et le mot de passe, je pense que justement, on fait l'autre par lettre et tout, etc. Ouais. On a chopé la bonne justement, méthodologie. Mais par contre, les fils de haut en bas, je te dis, j'ai. Ah ouais, faut non. Qu'on essaie vraiment pour capter tout. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a rendu dans la cour à l'instant ouais. Même. Ouais, c'était moi. Tout, mais... Qui a dû rien comprendre à ce qu'on était en train de raconter. je trouve que vous jouiez un jeu. Voilà. Est-ce ouais. Est-ce que t'as vu la dernière vidéo de Squeezie ou pas? Non. Non. Est-ce que t'as vu la dernière VOD que j'ai mis sur ma chaîne YouTube? Ouais. Non plus. Ah, en gros, c'est une espèce de désamorçage de monde avec plein de jeux différents. Genre moi, j'ai un PDF avec plein de pages et lui, il faut qu'il m'indique ce qu'il boit et pour l'indiquer dans la bombe, pour désamorcer la bombe le plus rapidement possible. Tu vois, je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Essaye ouais. Peut-être de lancer. Mais ouais, intéressant. Franchement, c'est super cool. Voilà. Tiens. Ah, je suis fatigué, je baillais très fort. Bah, regarde, putain, regarde. Le chat, t'as décidé vraiment de me niquer mes pantalons en fait. Alors, elle surkiffe, elle est sur mes genoux comme si c'était la première fois de sa vie. Donc, ouais. Tu sais, elle fait comme ses griffes, tu sais, je sais pas comment dire. Ouais, mais ça va, ça fait un an que tu fais ça, c'est pas comme si c'était une découverte. Ouais, justement, ils sont en kiff à ce moment-là, mais ils te font mal en même temps, tu vois. Ouais, oui, alors elle me fait mal et surtout,
Elle me nique le pantalon, mec. Ah, non, c'est encore pire. Bah, t'es pas en boîte pyjama, Castor, là? J'ai pas de pyjama, mec. Ouais, c'est vrai que le monde des mecs, on n'a pas de pyjama. Absolument. On va refaire à Walp. Odeur à Walp, mec. Le petit calbut au maximum. Et... mais honnêtement, justement, on va acheter un pyjama. En fait, c'est un peu satisfaisant. Franchement, ouais, moi j'aime pas. Ouais, j'aime pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas le temps de me mettre en pyjama. Ouais, même quand t'es habitué à dormir libre. Libre comme l'air. C'est une forme de confort. Non, en vrai, je me fous pas. Je me fous très rarement à Walp. Mais tu changes calbut, ou au moins calbut. Oui, ouais, voilà. Je pense que c'est pas. Mais rien de plus, quoi. Ça me va très bien. Tu tournes. Pas de ce qu'il dit. Bah après, non, bah parce que moi je suis en pyjama là actuellement, mais c'est parce que j'ai passé la journée chez moi, donc je me suis pas habillé. Mais en même temps, à un moment, si j'ouvre les rideaux, je vais pas non plus être à poil. Oui, mais calme t-shirt, ça va. À la vue de tous. Je vais chercher mon Uber Eats pour mettre calme t-shirt, ça n'a rien à foutre. Attends, tu veux regarder, peut-être on peut en essayer une dernière pour que tu les captes ce qu'on fait. De toute façon, il y avait. Quand que Yassin t'arrive, de toute façon, vraiment, c'est soit il y a le stream sur Twitch, soit il y a le mode d'emploi de la bombe qui est toujours sur Discord. Alors, soit, mais après Toutou, je le connais. Alors, Toutou. Ouais. Soit tu regardes un PDF avec moi, il y a plein de pages différentes. Elle est trop bien, les propositions. Ouais, viens, on regarde un PDF, il y a plein de pages et tout. Ouais, c'est cool. Mais en fait, c'est super gratuit. En fin de compte, au début, j'avais un peu de mal, mais... c'est super marrant. J'ai acheté le jeu 14 balles, d'ailleurs. Vas-y, mon dieu, tu veux regarder le temps que Yassin qu'il arrive, ou alors... Je vais regarder le truc, là, je vois la VOD, c'est de la bombe, c'est ça? Ou alors tu regardes le stream de Léops et on lance une dernière partie pour que tu nous regardes en live. Ouais. En fait. Tu voulais, ouais. Le temps que Yassin t'arrive. Yassin qu'il a envoyé un message, parce que moi, j'ai été concentré sur le jeu. Est-ce qu'il a envoyé un message? Il a dit 20h30 à peu près. Bah attends, bah je lance du coup. De toute façon, il y en a pour 5 minutes. Vas-y. Attends, 5 minutes, attends, je me prépare. 5 minutes, 5 modules. Donc voilà, et attends, lance le stream, t'es sur stream, va sur stream de Leops. Hop. Sur Twitch. Hop, ouais. Sur Twitch ou... Ouais, non, sur Twitch. Ok, hop. J'aurais juste un petit décalage de son, mais c'est pas très grave à l'arrivée. Bah à la limite, tu mutes le stream. Parce que je pense pas qu'il y ait d'informations sonores importantes. Et juste, par contre, il faut pas que tu spoil à Adam ce que tu vois sur l'écran, puisque lui n'a pas mon écran. En gros, tout le principe, c'est que moi je vois la bombe, lui là, il voit le mode d'emploi et qu'on voit pas ce que voit l'autre. Ah, c'est ça. D'accord. Sinon, c'est trop simple. Pas spoiler. On a failli se spoiler à un moment, mais. Et lui, hop, se tient le coup parce que j'aurais envie qu'il regarde le PDF à un moment. Ah oui, c'est sûr que ce serait tellement plus simple si j'avais le mode d'emploi sous les yeux, mais non. Allez. Non, voilà, donc on est au niveau à peu près 4 ou 5 pour un coup dans le genre. Enfin, 3 sur 7. 3 sur 7. Alors, 3 sur 7 ? Ouais. Mais non, t'as des fils ? J'ai des fils verticaux. Quoi. Ah, j'ai deux labyrinthes, j'ai un code morse. Bon, on fait le labyrinthe. On fait le labyrinthe ? Ok. Alors, j'ai un rond qui est tout à droite. Ouais, je confonds ma droite et ma gauche, super. J'ai un rond qui est tout à droite, à deux cases du bas. Attends, tu pars d'en bas à droite. Donc j'ai, ou tu pars d'en haut à droite. Et bah il est en bas, enfin il est pas en bas à droite, il est à deux cases du bas. Mais il est tout à droite. Ok, c'est bon, je pense que c'est le seul, c'est bon. Et le deuxième rond, du coup, il est à deux cases de la droite, deux cases du bas. Ouais, c'est bon. C'est... Ok, moi le point blanc, je suis tout à gauche à une case du bas. Tout à gauche, tout en haut à gauche à une case. Tout en bas à gauche à une case du bas. Donc tu pars d'en bas à gauche et tu remontes une fois. Attends, le triangle, je t'ai pas dit où est le triangle. Non mais dis-moi où t'es déjà. Moi je suis tout en bas à gauche et je remonte une fois, c'est ça. Ok, mais c'est bon. Ok, le triangle, il est à une case du haut et à
deux cases de la gauche. Non mais oh, tu pars d'en haut à droite ou d'en haut à gauche, dis-moi. Bah, je pars d'en haut à gauche, tu descends d'une okay, case et tu vas deux cases à droite. Ok, c'est parfait. Okay. Donc deux fois en haut. Ok. Une fois à droite. Ok. Deux fois en bas. Ok. Une fois à droite. Ok. Et après tout en haut sur le plan en bas. Ok. Alors du coup le deuxième labyrinthe, j'ai un rond. Qui est tout en haut, tout à gauche. Oh, tout en haut, c'est bon, j'ai le seul. Ok. Moi, mon point, il est à une case de la droite et à deux cases du haut. Dis-moi quand tu pars d'en haut à gauche ou à droite, que je comprends pas. Bah là, je pars de en haut à droite, du coup. Tu ouais. descends de deux cases, tu vas d'une case à gauche. Une case à gauche, et c'est bon. Bah là, c'est là où je suis. C'était là. Ok, ouais. Vas-y. Et le triangle, il est tout en bas. À une case de la gauche. Non, mais dis-moi, en partant d'en bas à gauche, ouais. C'est tout en bas, à une case de, à une case vers la droite. Ok. Donc tu vas une fois à gauche. Une fois à gauche. Une fois en bas. Une fois en bas. Deux fois à droite. Deux fois à droite. Deux fois en haut. Attends deux secondes. T'as dit. Deux fois en haut. Deux fois en haut. Trois fois à gauche. Trois. Une fois en bas. Une fois en bas. Une fois à gauche. Ouais. Une fois en haut. Deux fois en haut, pardon. Deux fois en haut. Une fois à gauche. Ouais. Ensuite. Attends, merde, t'es où, putain? Là, je suis tout en haut, tout à gauche. Ouais, et là, le triangle, il est tout en bas à une case vers la droite. Enfin, okay. en partant. Tu descends tout en bas. Descends ouais. tout en bas et vers la droite. Ok. Bon, attends, on va faire le morse. Je me concentre et je vais essayer de pas me foirer. Donc, les deux dernières lettres, c'est très très et point. Très très, M et point. Donc, M-E. Il me semble qu'il y en avait que un, non? On n'a pas déjà eu celui-là? Attends. M-E plume, ouais, c'est ça, ce plume. Comme c'est combien? Donc, 5, 9, 2. Ok, il y a les fils verticaux. Alors, le premier fil, il est blanc, il n'y a pas de LED et il y a une étoile. Blanc, pas de LED et il y a une étoile. Donc, mais regarde, j'ai qu'un seul cercle, donc le seul truc qui est qu'un seul, bah, c'est C en fait. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est bon. Ok. Coupé de fil. Ok, le deuxième fil, il est rouge, pas de LED, une étoile. Rouge, pas de LED, une étoile. Donc. Celui-là et celui-là. Le seul moment où il y a deux cercles, c'est donc c'est coupé fil. Ok. Ensuite, bleu, pas de LED, pas d'étoile. Bleu. Bleu, c'est tout, quoi. Ouais. Bleu, c'est tout, c'est S. Donc c'est coupé le fil si le dernier chiffre du numéro de série est pair. Le dernier chiffre du numéro de série, c'est un 6, ouais, il est pair. Donc je coupe le fil. Ouais. Ok. Le dernier fil, il est rouge et blanc, pas de LED, pas d'étoile. Rouge. Pas de symbole. Pas de symbole. Juste rouge alors. Ouais. Juste rouge, S, C. Coupé. Pareil. C'est des... Bon bah, c'est je coupe. Ok, c'est bon. Ah putain. Oh, là, j'ai le truc avec. Non mais il nous reste 15 secondes et il y a encore ah, un merde. Truc. C'est le truc avec les 6 mots là, je sais pas comment expliquer. Il y a 6 boutons avec un mot dessus, il y a le mot O écrit sur un écran en haut. Ah putain, bah laisse tomber le forage. Ouais, je crois qu'on n'a pas le temps là. 3, 2, 1, 0, go. Ouais, putain. Et c'est perdu. Mais ça va. Écoute, franchement, celui d'avant, là, je comprenais plus rien, maintenant je comprends, ça va. Franchement, c'est chaud. Je pense qu'il faut. Si t'as vu, tout ouais. Bah ça va, c'est ouais, c'est pas le style de jeu que je jouerais spécialement, mais je comprends l'intérêt. Attends, je te partage d'abord, regarde pas le partage que je fais. Et sinon il y a le spoiler. Pour que je puisse voir moi le PDF, j'avais mis le lien en Discord. Hein, si ouais, le lien, bah, attends, je pense que je peux rebondir la dessus. La bombe manuelle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et hop. Voilà, donc peut-être. Moi j'ai ça, et lui pendant plus, il a ce que t'as vu à l'écran pour le stream. C'est marrant, franchement c'est marrant, je jure que c'est marrant. Et en plus, ce jeu-là, faut jouer à plusieurs en fin de compte. Parce qu'il y a une personne qui va prendre 3 pages, l'autre qui va en prendre
deux, trois autres, tu vois, et que je partageais. À bout d'un moment, je pense qu'à deux, on pourra plus. Bah, tu t'y habitues en plus au type de. Ouais, je sais pas. Bah, c'est pour ça que ça se fait de manière. C'est en allant, au fur et à mesure que tu avances dans les niveaux, ils rajoutent de plus en plus de mini-jeux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, par exemple, les fils horizontaux, on l'a fait plein de fois, mais au bout d'un moment, tu le maîtrises, mais du coup, bah, ils rajoutent de plus en plus de jeux et des jeux que t'as pas encore vus. Bah, ça ne danse pas. Bah, le temps, de toute façon, on ne va pas jouer en jeu. Ça vous dit, on se stream la dernière vidéo de Squeezie? Bah, moi, j'ai déjà vu, donc vous l'avez pas Oh, vu. Donc. je sais pas si je l'ai vu. Bah, justement, on se fait ça le temps que Yacinthe arrive. Tu Ouais, partages je le. attends, je regarde juste si. Oh, ça me permettra de. Détective Liao. Ah, bah non. C'est exactement ce qu'on est en train de jouer. Hein. Je vais. Ah, c'est celui-là, d'accord. Ouais, c'est exactement ça. Je vais On couper est le là. stream et comme ça fera une cut dans la VOD. Hop, tout à l'heure.